Vers les élections, la société civile renforce ses capacités pour répondre aux attentes des scrutins crédibles et transparents. Le programme Observation citoyenne du Centre Carter a fait la journée de restitution des travaux des ateliers de formation et de mentorat en logistique. Elle fait suite aux ateliers de renforcement des capacités organisés à Kinshasa et au Congo central dans le but de permettre aux différentes parties prenantes de prendre connaissance des éléments pouvant faire l'objet d'amendements. Des textes légaux, notamment les lois électorales, afin de faire avancer les réformes clés. L'année électorale approche à grands pas et la société civile se veut présente dans les débats pour faire avancer les réformes clés dans le domaine électoral. Au cours d'une matinée de restitution, les parlementaires nationaux et provinciaux, ainsi que les structures engagées dans les questions de réforme électorale en République démocratique du Congo, ont échangé sur les recommandations issues des différents ateliers de renforcement des capacités organisés par le Centre Carter pour faire avancer les réformes clés dans le domaine électoral dans le respect de la légistique. Parmi les textes légaux qui méritent d'être modifiés ou encore améliorés, il y a la loi électorale. Notamment la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, la loi électorale, la loi sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques, la loi sur le financement public des activités politiques. Ce que je viens d'évoquer ont été adoptés à une certaine époque et dans un certain contexte qui n'est plus celui d'aujourd'hui et qu'il est nécessaire de pouvoir les adapter à la réalité du moment. Pour notre pays, il n'y aura pas une loi électorale qui va satisfaire tout le monde. Donc ça, il faut enlever ça dans l'esprit des gens. La loi électorale, c'est une loi éminemment politique et puis c'est une loi qui tient compte des opportunités. Même le système électoral, on ne peut pas le changer comme ça au hasard. On le change pour atteindre un objectif. Pour le professeur Jean-Luc Essambo, expert en droit électoral et droit public, les parlementaires doivent s'approprier les recommandations issues de ces travaux pour que cela soit déjà traité au cours de la prochaine session de mars 2022. Pour les députés, c'est de s'approprier l'initiative. Les éléments existent. Ils peuvent endosser les initiatives législatives dans le sens d'une proposition de loi à faire soumettre aux discussions au niveau du Parlement. Les idées peuvent être avancées aujourd'hui et procéder à des initiatives législatives pour la session de mars 2022, parce qu'après, on est proche de 2023, les inscrits sont tournés vers les élections. Et si on ne le fait pas avant, ça risque d'être en retard. Des travaux qui tombent à point nommé, estiment les parlementaires. Il s'agira, je pense, et c'est ce qui ressort de ces travaux, des accommodations, de tirer les leçons du passé, de l'existence des textes actuels, et voir dans quelle mesure, comment les améliorer. Et l'écriture ou la légistique arrive à point nommé. Le Centre Carter, qui initie cette rencontre, exhorte les participants à mettre les connaissances acquises en pratique. Je vous exhorte à cultiver le partage de l'information et l'intégrité afin d'atteindre notre objectif commun de contribuer à l'avancement des réformes clés du processus électoral en RDC. À travers l'organisation de tels ateliers, le Centre Carter, à travers son partenaire, la Commission Justice CP, vise à renforcer l'état de droit et des institutions solides pour soutenir la démocratie dans notre pays. Les organisateurs comptent se rendre également dans les provinces pour étendre l'appropriation de ces recommandations. On prit part à cette matinée de restitution les membres du Parlement, de la Présidence de la République, de la CENI, du Conseil supérieur de la magistrature, du CESAC et de l'ONIP.